Un jour, lorsque vous verrez l'abominable désolation, écoutez et comprenez bien ceci, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui se trouve sur le toit ne rentre plus dans sa maison, que celui qui est dans son champ ne retourne plus chez lui pour chercher son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce temps. Priez pour que tout cela n'arrive pas en hiver. La souffrance sera plus grande que toutes les souffrances connues depuis le début du monde, et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger ces jours, personne ne survivrait. Mais il va les abréger pour le bien des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes apparaîtront et feront des miracles pour tromper même les élus de Dieu. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance.